Si je suis en live, comment je peux vérifier? Une seconde, je vérifie si je suis encore en live. Ok, je crois que je suis en live. Ok, c'est parti. Je crois que ça marche. Ok. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur 5 minutes de réflexion de conscience nouvelle de mon gré Christella Coussi. Ouais. J'espère que vous voyez. Hein. Il faut que je mette sur. Ouais, ça doit marcher. Ouais, ça marche normalement. Ouais, la chaleur a commencé un tout petit peu ici à Abidjan. C'est pas évident. C'est pas évident. Je commence, j'aime pas trop tarder parce que 5 minutes c'est 5 minutes chez moi. Le thème d'aujourd'hui, c'est déjà noté, c'est comment se fait-il que l'on soit toujours jaloux de toi, hein, Christelle? Pourquoi c'est toujours de toi qu'on est jalouse, qu'on est jaloux, pardon? Elles sont jalouses de moi, ils sont jaloux de moi. C'est toujours de toi. Toi, tu n'es jamais jaloux des autres. Tu n'es jamais jaloux des autres. Christelle, il s'agit de toi. Tu n'es jamais jalouse des autres. C'est les autres qui sont toujours jaloux de toi. Ouais. Je ne veux pas dire que la jalousie, ça n'existe pas. Mais avant de commencer, d'abord, je vais vous remercier d'avoir beaucoup liké ma première vidéo en live. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Les gens ont beaucoup aimé. Des messages même de proches. Bon, ils sont habitués à cela. Ils savent que je l'avais depuis longtemps. Hein. Ils ont tous bénéficié de ces conseils, de cette facilité de parole que j'avais. Hein. Et beaucoup, c'est maintenant ils me découvrent. Et j'ai presque eu 18 000 vues. Et c'est vraiment pour une première fois une belle réussite. Et je vous remercie énormément. Mais voilà, voilà, lorsque j'entends des messages en inbox du genre en quelques mots, tu as pu me réconforter. Et pour moi, c'est déjà une valeur ajoutée à ma vie. Hein? C'est une année encore de plus sur ma vie. Et ça, je bénis Dieu, je bénis le ciel, je bénis ma famille, je bénis tous ceux qui contribue dans l'ombre à mettre à jour mes potentialités, à mettre au devant de la scène ma passion, de me laisser vivre ma passion. Et ça, je remercie tout le monde. Et voilà, je suis un peu émue. Voilà. Je vais revenir au thème d'aujourd'hui. Comme on dit, c'est ma troisième vidéo en live, jamais 203. Oui, s'il y a eu une première vidéo, il y a eu forcément une deuxième vidéo. Et s'il y a eu une deuxième vidéo, c'est forcément qu'il y a une troisième vidéo. Et voilà. Et c'est celle-là que je suis en train de faire, comme on dit, jamais 203. Et bienvenue sur les 5 minutes de réflexion de mon gré Christella Coussi. Bon, voilà. Comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup remarqué dans la société, dans notre société à nous, parce que moi, j'évolue dans ma société. Si les autres communautés veulent bien savoir ce qui se passe chez nous, ils sont les bienvenus. Voilà. Et moi, chez moi, je me concentre sur la communauté africaine. Et j'ai beaucoup constaté chez nous que on voit, mais c'est sur les réseaux sociaux, on voit toujours des gens qui écrivent à chaque fois que l'on est jaloux d'eux. Ils ne sont jamais jaloux des autres.
C'est toujours les autres qui sont jaloux d'eux. Et ça, moi, souvent, je me pose la question, oui, mais où sont ceux qui sont jaloux? Où sont ceux qui font du mal? Où se trouve le groupe de ceux qui font du mal afin que moi, je puisse les libérer de leur mal? Parce que il n'y a que de bonnes personnes, des gens, les pauvres personnes qui sont martyrisées et il y a pas un groupe invisible qu'on ne voit jamais. C'est toujours les victimes qu'on voit sur les réseaux sociaux, partout dans la vie, qui indexent les autres d'être jaloux d'eux. Je ne veux pas nier la jalousie. Je vois entre mes sœurs et moi, lorsque un membre de la famille chouchoute quelqu'un d'autre, une de mes sœurs, je boude. Lorsque c'est moi, je ricane un peu. Ah, c'est moi la préférée et tout ça. Donc c'est un sentiment qui fait partie même de chacun d'entre nous. Et j'ai beaucoup constaté que les gens aiment bien. Pardon, attendez. Je ne sais pas si on me voit bien. Les gens aiment bien mettre cela au premier rang. Du fait que l'on soit jaloux d'eux, que l'on soit. Que l'on veut, on veut à leur vie. Et pour moi, ce n'est pas de parler de la jalousie en tant que jalousie existante en chacun de nous, mais c'est de parler des, en guillemets, des malades imaginaires, de ces personnes-là qui, moi je pense, qui provoquent même la jalousie des autres. J'ai constaté cela. Ils peuvent mettre 2-3 photos d'eux sur Internet, ou ils peuvent aller dans une fête, faire du tape à l'œil, en recherchant en retour la haine des autres. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, moi, je pense. Ils font tout, même si c'est du superflu, même si c'est en apparence qu'ils montrent qu'ils vivent bien à leur aise. Ils sont des gens qui n'ont rien envié aux autres, en guillemets, et des gens qui vivent dans l'opulence totale. Et regardez les pauvres autres. Et ces pauvres autres qui les jalousent et tout ça. Peu importe l'apparence qu'ils présentent, le fait même de se présenter de cette façon, c'est malhonnête. Je pense que c'est malhonnête. De me présenter aux gens, de provoquer chez les autres la haine, la jalousie, à son égard, c'est incroyable. Moi c'est choquant. C'est choquant. Il y a un jeune homme que je suis souvent sur Facebook, sur Internet, et qui s'appelle les Gbais de Stony. Enfin, en langage ivoirien, c'est les franchises de Stony. Ce jeune homme, un jour, faisait une vidéo, il parlait à un de ses collègues, il lui posait la question de savoir, c'est quoi pour toi la jalousie? Et son collègue, c'était au Maroc ou en Tunisie, aucune idée, qui répond de la plus belle des façons. Qui répond de cette façon, qui dit comme cela que la jalousie, c'est, je ne me souviens pas mot par mot, mais qui disait comme ça que la jalousie, je sais pas comment il a dit cela, je ne me souviens pas vraiment, mais il disait que c'est l'imagination que l'on se fait des autres. Hein. C'est l'impression que nous-mêmes on a que les autres sont jaloux de nous. Et que c'est un théâtre que nous-mêmes on se fait dans la tête. Et il a fait son développement que j'ai vraiment apprécié, que j'ai partagé sur mon mur et tout ça. Parce que la plupart du temps, c'est vrai. Des gens mettent 2-3 vidéos d'eux en train de montrer qu'ils vivent la belle vie. Et après cela, tu vois un autre poste qui sort qui dit oh, les gens sont jaloux de moi, les jaloux vont maigrir. Les sorciers qui m'en veulent, qui veulent à ma mort. C'est bon. Bref, moi je ne veux pas rentrer trop dans ces détails parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de. Avoir une attitude responsable, où j'explique vraiment bien cela. Et lorsque ces gens-là se présentent comme cela, ils se mettent dans la position de la victime. Et le senti, eux-mêmes, ils créent autour d'eux le sentiment qu'ils créent leur donne de la valeur. Ils se sentent vivre. Lorsqu'ils se rendent compte que les gens les jalousent. C'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes un scénario
ils laissent vivre ce scénario dans leur esprit et ils se sentent bien. Ils ont ce plaisir là de savoir que les gens les jalousent, ils se sentent vivre, ils se sentent valorisés. De savoir qu'il y a des haters, des gens qui les haïssent, les gens qui les jalousent, ils se sentent vivre. Lorsqu'ils sont toujours dans la position de la victime, ils se sentent vivre. C'est un traumatisme. Il faut que je le dise ouvertement. Je crois que mes vidéos vont plus en plus ne pas plaire à beaucoup, mais c'est un message qui s'adresse à certaines personnes qui veulent passer de l'autre côté. Quand on parle de changement de mentalité, c'est d'enlever, c'est de retirer ces vers et de prendre d'autres vers, de les mettre. C'est la même image qu'on a devant soi. Mais c'est les vers qu'on a changés. C'est le système qu'on a changé. Le système de pensée, comme dit un pasteur. Parce que je ne suis pas protestante, évangéliste, je suis catholique, mais j'écoute la bonne nouvelle. Toute bonne nouvelle pour moi est la bienvenue. Et qui disait comme cela, il faut renouveler le système de pensée. Le changement de mentalité, c'est un renouvellement du système de pensée. Et lorsque des gens voient toujours en l'autre celui qui je sais pas si ça se dit le jalouseur ou celui qui jalouse, il y a un problème, un traumatisme profond qui ne dit pas son nom. J'ai de la valeur seulement lorsqu'on me jalouse. J'ai la valeur lorsque je suis la victime. J'ai la valeur lorsque j'ai l'impression que mes copines ont envie d'être à ma place, envie d'être moi. Je ne nie pas les jalousies existantes. Je ne nie pas cela. Parce que, ça va vous étonner, mais j'ai été victime en l'espace de 2 jours de cela. Mais ma démarche, c'est de vous montrer qu'il ne faut pas en faire de cela une façon de vivre. Il ne faut pas en faire de cela, il ne faut pas se mettre dans la peau d'une victime. Il ne faut pas voir en cela des galons. Il ne faut pas voir en cela quelque chose qui nous donne de la valeur. J'ai de la valeur avant que quelqu'un d'autre reconnaisse ma valeur. J'ai de la valeur d'abord. Je ne crée pas un scénario. Le véritable malade imaginaire, je ne crée pas de situation. Je ne provoque même pas ces situations. Et pour dire que je vais créer même des scénarios. Pour que des gens me détestent, pour que des gens me haïssent. Non! Pour quelle raison? Pour quelle raison j'aimerais que les gens me haïssent? Pour quelle raison j'aimerais que les gens me détestent? Qu'est-ce que j'en tire? Que les gens soient jaloux de moi? Qu'est-ce que j'en tire comme bénéfice? Rien du tout. Rien de rien. Je vous assure. Rien. C'est seulement un traumatisme qui ne dit pas son nom que je suis en train de vivre. Moi, je me marre quand je vois toujours cela. On se lance des flèches de façon indirecte. On se parle de façon directe, tu sais que c'est de toi que dont je parle, et toi tu sais, moi je sais, et on s'en sort plus. On s'en sort plus. Et c'est triste, c'est dommage de voir des gens qui n'ont pas encore compris la vie, qui veulent qu'on les jalouse, qui veulent que les gens les envient. Et au même moment, ils ont peur que ces gens tentent à leur vie. Pas à la sorcellerie, aucune idée. Et parce que ces gens, en fait, dans leur vie, leur vie est vide. C'est une coquille vide. À l'intérieur de leur vie, il n'y a rien du tout. Il y a de l'ennui. Il y a beaucoup de l'ennui. Surtout de l'ennui. On s'ennuie. On ne sait pas quoi faire. On s'imagine que si ma copine ne m'appelle pas, c'est parce qu'elle me déteste. Ou si celui-là ne me répond pas, il me hait. Et le diable aussi, puisqu'il a vu les failles qu'il y a en toi, il rentre, il frappe à l'intérieur, il s'infiltre. Il développe cela comme un malade imaginaire. Tu développes des symptômes, tu vois dans l'agissement de tout le monde de la jalousie. Le diable, il est incroyable, il le sait, il sait. Et je voulais vous dire quelque chose, c'est une belle remarque que j'ai fait, parce que 5 minutes, c'est 5 minutes, une belle remarque.
Lorsque vous voyez des gens à chaque fois dans la rue, dans des bureaux où vous travaillez, dans les organisations où vous allez, dans les congrégations, dans les CEB, dans les groupes de prière, à l'église, partout où vous allez, lorsque vous voyez des gens toujours en train de dire qu'on est jaloux, et qu'il y a toujours des jaloux, ils sont victimes de jalousie des autres, lorsqu'ils sont toujours en train de dire cela, moi c'est parce que j'ai fait cette remarque, que je peux le dire ouvertement aujourd'hui, c'est que ces personnes elles-mêmes sont des gens qui sont d'une grande jalousie. Elles sont plus jalouses que que ces personnes qu'elles indexent d'être jaloux, d'être à la base de leur mal. Ceux qu'ils indexent sont en fait des gens moins jaloux qu'eux. Donc, en fait, des victimes sont de véritables vrais bourreaux. Des victimes sont de véritables gros jaloux. Puisqu'on dit une victime, de véritables gros jalouses. Leur jalousie est plus grande que la jalousie qu'ils indexent même. Ils ne voient pas la paille qui est dans leurs yeux. C'est le grain de sable qui est dans l'œil de l'autre qu'ils voient. Comme disait, je l'ai lu tout à l'heure avant de venir, incroyable, comme si j'attendais une réponse. J'ai une seule avant de donner cette, j'ai deux réponses. La première vient d'un peut-être un grand penseur, Zig Ziglar, qui disait que ce qui existe en toi existe aussi chez l'autre. Ce que tu vois chez l'autre existe aussi chez toi. La jalousie que tu remets au bout de choses, la jalousie que tu indexes, le feutre que tu passes sur les défauts des autres, indirectement aussi, sans t'en rendre compte, tu l'as aussi. Peut-être pas aussi développé, mais tu les as aussi. Donc, je dirais comme cela, c'est pour la première réponse à cette réflexion, de cette fameuse jalousie maladive, de cette maladie imaginaire chez beaucoup d'entre nous. Et la deuxième, c'est pour te dire que c'est une réponse pour le bonheur, mais je vais le transposer pour la jalousie. Et ça, il faut le retenir. Moi, je donne seulement une réponse ou deux pour vous aider. C'est que aucune personne dans la vie ne peut être plus heureuse que vous. Aucune personne, même Mark Zuckerberg, ne peut pas prétendre être plus heureux que vous. Et vous ne pouvez pas être plus heureux que Mark Zuckerberg. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vous qui êtes responsable ou c'est vous qui devez organiser votre bonheur. Ce qui fait que le bonheur des autres sont plus visibles que d'autres, où il y a d'autres qui sont très réservés, on ne voit pas. Mais personne sur cette terre-là ne peut prétendre être plus heureux que vous. Voilà. Donc, ça c'est pour répondre à la jalousie qui existe aussi, véritablement. Vous ne pouvez pas être jaloux des autres, ce n'est pas possible. Et pour ces jalousies imaginaires, vous ne pouvez pas prétendre être plus heureux que les autres. Et c'est vice-versa. Les autres ne peuvent pas aussi prétendre être plus heureux que vous. Et la chose que tu vois chez les autres, tu les as. Peut-être que toi, tu travailles le mieux tes défauts. C'est bien. En travaillant cela, tu peux aussi contribuer. Tu peux aider aussi les autres à travailler sur leurs défauts. Et ça sera génial. Ça sera génial. Et si tu t'y mettais maintenant? Et si tu t'y mettais maintenant? Moi, je pense que tu dois agir pour le bien, pour ton bien-être et pour le bien-être des autres. Il faut quitter ces sentiers-là de haine inutile, hein, d'agissement puéril. Tu touches les femmes. Ouais, ça peut ne pas plaire, mais c'est une vérité. On est toujours jaloux de nous. On voit toujours la jalousie des autres. On lance toujours des flèches aux autres. On aimerait que les autres nous jalousent. On aimerait que les autres nous voient qu'on est plus heureux. On est plus heureux qu'eux. J'aimerais que les autres me jalousent. Et je me sens heureuse comme ça. Je vois les autres souffrir. Oh, quel bonheur. Non, tu ne peux pas être plus heureuse que moi. Et moi, je ne peux pas être plus heureuse que toi. Je ne peux pas prétendre être plus heureux que toi.
et toi tu ne peux pas prétendre être plus heureux que moi. Telle est la vérité. Et la vérité affranchira. La vérité va t'affranchir. C'est la seule chose sur cette terre qui doit exister, la vérité. L'amour et la vérité. C'est la seule chose. Ce sont les deux choses, je pense. Et voilà, c'était les 5 minutes de réflexion avec Conscience Nouvelle de Mangré Christelle Akossi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une heure un peu inhabituelle pour faire un live. Mais c'est le temps, hélas, que j'ai pu avoir parce que hier, c'était impossible de faire un live. C'était impossible de faire un live. Et c'est pour cela que j'ai profité pour faire le live. Et puisque j'ai un livre, je suis en affilié avec un livre, avec une société de distribution de livres ou de plusieurs objets, gadgets. Moi, je vous ai présenté la fois dernière le livre de Napoléon parce que sur mon site, c'est le livre que je recommande à tout le monde, c'est le livre du mois. La recommandation du mois, c'est de Napoléon Hill. Aujourd'hui, je voyais Zach Mokassa qui avait un lien sur la peur de l'inconnu. Lorsque vous regardez ce genre de vidéos, la peur de l'inconnu, vous allez sur mon site internet et que vous voyez mes articles, l'article numéro 5, je pense, ou la numéro 6, sur la peur et la procrastination, où je parle même de mon vécu par rapport à la peur, et que vous lisez cela, vous comprenez tout. Vous comprenez tout. Lorsque je vous présente un livre, c'est pour vous aider. Ça ne va pas vous solutionner vos problèmes, mais ça vous aidera. Parce que moi-même, j'écris mes propres articles parce que je suis blogueuse. J'écris mes propres articles. Et lorsque je viens après lire un livre, je me rends compte que waouh, mais ce que j'ai écrit, c'est le contenu n'est pas loin. C'est un rajout en fait. Donc, si vous allez sur mon site, vous regardez mon blog, j'ai écrit sur l'objet sur la peur. Je voulais seulement écrire sur la peur. Je me suis rendu compte que la peur et la procrastination sont deux pièces d'une même médaille, comme le titre l'indique. Et lorsque vous lisez la peur, vous lisez. Je suis même arrivée sur le chapitre sur la peur. Lorsque vous lisez, vous voyez que le diable se trouve dans nos peurs. Et lorsqu'il y a la peur, le Dieu n'existe plus en nous. C'est le diable qui prend le contrôle. Et ce livre est lié à un CD qui se trouve à l'intérieur de ce livre-là, qui est bien, bien emballé, c'est parfait, c'est bien fait. Et que vous voyez que Napoléon lui-même n'a jamais été un grand businessman, ce genre de choses. Non, il a eu le courage de parler aux gens, d'interviewer beaucoup de personnes qui ont réussi dans leur domaine. Et en interviewant des gens, il est devenu un expert. C'est pour cela des gens qui ne sont pas mariés peuvent vous parler de mariage parce que en faisant des recherches, ils sont devenus des experts dans ce domaine. Donc, chacun d'entre nous a sa part de vérité à dire, sa voix compte, et je pense qu'il est bon de lire. Il est bon de lire. Moi, quand je suis là, c'est pour vous aider à lire. Je vous encourage, je vous exhorte à lire, à lire, à lire. S'il y a la version numérique, faites-le. Dans quelques temps, moi aussi, j'aurai mes petits bouquins que je vais faire délivrer et je vais mieux vous donner des réponses à certaines situations que chacun vit. Si vous avez des difficultés, des soucis, vous m'écrivez. Si vous m'écrivez, moi je vais répondre. Je réponds facilement aux gens. S'il y a un message, je ne tarde pas. À moins qu'il y ait un bobo avec Internet. Donc voilà. C'était Mangré Christelle Akossi. Dans les 5 minutes de réflexion, de conscience nouvelle qui se charge de vous parler, de vous aider dans le processus de changement de mentalité dans notre communauté africaine. Ok, c'était moi. Je redis encore pour une dernière fois, ne voyez pas toujours la jalousie dans les autres. Ne voyez pas toujours la jalousie des autres. Ne vous mettez pas toujours en posture de victime. Ne soyez pas des malades imaginaires. Ne voyez pas dans la haine. Ne provoquez pas la jalousie des autres. Ne provoquez pas les situations où des gens vont vous envier. Ça n'a pas de sens. Ça montre seulement un traumatisme dans votre vie. Ça montre que vous êtes une coquille vide. Et que, des personnes. Parce que seuls les tonneaux vides qui font du bruit. Donc, je pense que. Vous devez savoir que ce qu'il y a de mauvais en vous existe en l'autre.
Si vous avez pu dominer cela, vous pouvez aider les autres à sortir de cela. Si vous pensez que les autres sont plus heureux que vous, vous vous trompez. Si vous pensez qu'à travers vos agissements, vous allez rendre des gens jaloux de vous, parce que vous pensez que vous êtes plus heureux que vous, vous vous trompez. Détrompez-vous. Parce que nul ne peut être plus heureux que vous. Et vous ne pouvez pas être plus heureux que les autres. Voilà. C'était moi, les 5 minutes de Christelle, malgré Christelle, les 5 minutes de réflexion de conscience nouvelle de malgré Christelle Akoussi. On se retrouve pour une prochaine fois, pour un prochain live. Je pourrais peut-être dire le thème, on verra. Je dirai pour la prochaine fois. On se dit au revoir et n'oubliez surtout pas que je vous aime.